c'est un avion qui est relativement jeune et récent dans le milieu de la voltige. Mon capitaine, je reconnais en vous l'humilité des grands hommes, mais me semble on est assez fiers du résultat et du travail qu'on a fait. On y reviendra juste après. Décoller en planeur derrière un avion, c'est toujours une expérience mémorable pour les deux, puisque décoller en avion en tractant en planeur. Nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest. Quelques années plus tard, on retrouve cet avion. Alors évidemment, quelques années et beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets plus 30 décembre 1952. Il a évolué sur la base d'abord la DA-702, pour être plus précis, et se déplace sur différents meetings aériens afin de partager sa passion. Une passion dévorante pour l'aéronautique, une passion. Pour Dassault, un souci d'études aéronautiques, tout comme. Impressionnant de vous entendre celle de son moteur Roche de 9 cylindres Royal du composant qui puissance de 425 chevaux, ce qui est une véritable débauche d'énergie pour cet avion. Appareils comme le Mirage F1 ou encore le Rafale monoplace. Commandant d'escadrille, il est instructeur sur PC-21 depuis septembre 2019. Son équipier, le capitaine Laurent, dit Dave, il totalise 3000 heures de vol sur différents appareils comme le Mirage 2000D, le Grand 120 ou encore le TB30 Epsilon. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de voir un TB30 tout à l'heure. À plus de 150 exemplaires avant d'être retiré relativement récemment. L'avion le plus rapide du monde, capable d'atteindre une vitesse de max 6,7, c'est-à-dire qu'on fait Brest-Marseille en moins de 10 minutes. Revenons sur nos avions, après avoir expliqué qui était leur constructeur, c'est T6 Texan, premier vol, 1er avril 1935, et ce n'est pas une blague.
Nord-Américain était le premier constructeur aéronautique. De 1935 à 1967, ils ont conçu 41 210 avions. Afin d'obtenir cet avion, le Nord-Américain T6 Texan, que l'on retrouve sous plusieurs versions avec beaucoup d'utilisateurs, dont la France, beaucoup de prototypes furent nécessaires. On retrouve différentes appellations. Cette séparation, le bruit tout à fait singulier du moteur en... celle de la hauteur de la dérive et du plan vertical. Thank you.
La formation, quant à elle, est assurée par le dernier lit de notre flotte d'avions école que vous avez vu tout à l'heure, le Pilatus PC-21. C'est à vous. Leur dévouement. Nous sommes et resterons unis. Afin que le capitaine Bubu souhaiterait s'adresser à vous.